dispositif, c'est le mot d'ordre du Stade Brestois avant le premier match de Ligue 2. Les consignes sont simples, faire oublier le désastre de la saison dernière. Cette année, c'est une année où on remet beaucoup de choses à plat, on puisse, disons, faire vibrer notre public et donner une image beaucoup plus agréable. Sur le terrain de Kerlaurent à Guy Pava, Alex Dupont, l'entraîneur fraîchement revenu, prépare son effectif pour ce premier match. Et il est lui aussi résolument tourné vers l'avenir. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en arrivant ici sur Brest. C'est une volonté d'aller de l'avant. Et puis aussi se dire que la Ligue 2 n'est pas une maladie honteuse. Hein, c'est un championnat où on peut aussi prendre beaucoup de plaisir et en donner aussi beaucoup à notre public. C'est ce qu'on compte faire. Pour l'instant, les premiers résultats du Stade Brestois ne sont pas très parlants. 4 matchs amicaux, une victoire, 2 nuls et une défaite ce samedi face à Guingamp. Bruno Grougy, le fidèle de l'équipe, sera le capitaine de la rencontre de vendredi. Ouais, c'est une nouvelle saison, c'est surtout un nouveau coach et un nouveau discours. Donc on essaie de faire table rase, d'oublier tout ce qui s'est passé, de repartir sur une page vraiment blanche. Et je l'espère repartir sur de meilleurs résultats. Signe que la page semble se tourner, la bonne humeur dans l'équipe pointée par la nouvelle recrue, Nicolas Verdier. Parce que le groupe a réussi à tourner la page et je me suis senti à l'aise dès le premier jour où je suis arrivé. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile l'intégration et puis le jeu sur le terrain se ressent quand j'ai de la bonne humeur. Reste à savoir si les paroles seront suivies d'actes sur le terrain. Réponse ce vendredi à Châteauroux.